Jean, bonjour. D'habitude, on se voit familialement, mais là, c'est très protocolaire aujourd'hui. Mais je suis ravi. Merci de me recevoir. Oui, la garde. Nous, on aime beaucoup les Français. Eh bien, oui, je crois que. Ce que M. Daudelin a voulu exprimer, c'est une œuvre dont le titre, c'est L'embâcle. Chez nous, au Québec, c'est un phénomène du printemps, donc d'un changement de saison. L'accumulation de glace sur une rivière qui bloque le passage de l'eau. Paris a besoin du Québec. Paris dit merci au Québec. Mais Paris dit aussi sa confiance dans une relation affective à laquelle nous tenons particulièrement. À Montréal, c'est une de ces œuvres qui définit en quelque sorte notre ville. Notre souhait, Madame Cadieux, c'est que votre œuvre puisse marquer également la ville de Paris et son métro de la même façon que cela a pu marquer la ville de Montréal. Que cette œuvre soit pour tous source d'inspiration, message de confiance et qu'elle marque d'un point supplémentaire l'amitié profonde entre le Québec et la France. Merci à tous. Donc, c'est avec émotion, Monsieur le Président de la Régie autonome des transports parisiens, que je vous remets, au nom de la STM, du Conseil d'administration, de nos 9000 employés, de tous les citoyens de Montréal, de tous ceux et celles qui prennent le métro chaque jour à Montréal, de tous les Québécois, cette œuvre magnifique de Mme Cadieux. J'aimerais que ma sœur, la comédienne Anne-Marie Cadieux, unisse sa voix à celle d'Anne Hébert, dont les mots si justes et beaux nous mènent à la Voie lactée, qui sera, je le souhaite, embrasser les Parisiens. Anne-Marie, s'il te plaît. Rien refusé à ma sœur. Bien avant les images et les couleurs, la source du chant s'imaginait, à bouche fermée, comme une chimère captive.